L'aventure, nervosité, excitation sont présents dans mon futur. Sous nos sourires se cache un petit soupçon de peur. Face à ce changement, appréhendé par plusieurs, spacieuse, moderne et toujours éclairée, cette nouvelle école est belle, joliment colorée par des élèves d'un peu partout. Une riche diversité, ces beaux murs en baie vitrée qui symbolisent la liberté. Viens, viens t'épanouir avec nous au collège catholique Mère Bleue. Viens étudier à ton goût dans cette école bien à nous au collège catholique Mère Bleue. Académique et aussi créatif en sport comme en musique. Concentration design, c'est cela qui nous distingue et notre identité franco. Pour être parfaitement bilingue entre apprentissage hybride, nouvelle technologie, notre école transforme tout le monde un peu chaque jour par sa magie, en respectant ce qu'est l'éthique, l'acceptation et l'inclusion, et par la bienveillance de tous effacer l'intimidation. Viens, viens t'épanouir avec nous au collège catholique Mère Bleue. Viens étudier à ton goût dans cette école bien à nous au collège catholique Mère Bleue. Viens, viens t'affirmer auprès de nous au collège catholique Mère Bleue. Viens t'engager avec nous dans cette école bien à nous au collège catholique Mère Bleue. Alors bonsoir chers parents et bienvenue à l'édition 2021-2022 de la soirée coup d'œil du Collège catholique Mère Bleue. C'est mon plaisir d'être avec vous ce soir. Mon nom est Jean-Marc Dupont. J'ai l'heureux plaisir d'être la direction du Collège catholique Mère Bleue. Merci de prendre du temps de vos horaires occupés pour être parmi nous ce soir et apprendre un peu au sujet de l'école de vos enfants. Que ça soit des anciens de l'école de la 9e, 10e, 11e ou 12e année ou des nouveaux arrivés en 7e. On est heureux de vous compter parmi nous ce soir pour revoir justement le fonctionnement de l'année de notre belle école. Dans un premier temps, j'aimerais saluer Alain à la technique, notre animateur culturel qui m'aide à naviguer la présentation de ce soir. Et je vais être joint par mes directrices à direction adjointe ce soir, M. Steve Mazerol et Mme Chantal Dermonville, qui, à chacun leur tour, vont pouvoir prendre la parole pour présenter différents éléments de l'école. Vous avez le menu de la soirée. On vous offre d'abord une prière, évidemment, pour débuter la rencontre. Quelques salutations de la présidente nouvellement nommée de votre conseil d'école. On va parler un peu du fonctionnement pour la communication école-famille. Et ensuite, on va parler des différents programmes et les étés qu'on offre à vos élèves pour rendre l'expérience d'apprentissage au CCMB une des plus mémorables pour eux. Donc, pour débuter avec la prière, je vous invite à vous recueillir avec moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire. Donne-nous la joie de retrouver nos collègues, nos partenaires et d'accueillir les nouveaux. Que notre diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui nous sont confiés. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les élèves. Donne à chaque élève d'apprendre et d'acquérir les connaissances professionnelles et humaines nécessaires à la poursuite de leurs rêves et aide-la à devenir des acteurs responsables de ce monde. Donne à leurs parents force et courage afin qu'ils puissent les accompagner avec patience, beaucoup de patience, justesse et amour.
Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous, que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tout. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Amen. Dans un premier temps, j'aimerais bien commencer avec une métaphore que j'utilise beaucoup cette année. Les anciens qui sont parmi nous ce soir vont certainement la reconnaître. Puis moi, ça m'a beaucoup marqué. J'ai regardé les Olympiques, c'était gros partisan de sport. Et puis, ça m'a beaucoup plu de voir que l'équipe dans le 4 fois 100 mètres cet été. Et puis, je l'explique certainement pas aussi bien que certains de nos enseignants d'éducation physique, mais le 4 fois 100 mètres, c'est quand même une course très technique. Et puis, c'est pas la vitesse de chaque coureur qui compte, mais la course se gagne particulièrement dans les échanges. Et dans la technique des échanges. Moi, j'avais eu l'heureux privilège d'être jeune garçon quand, en 96, l'équipe Canada, menée de Bruny Sorin, Donovan Bailey et Glenn Ray Gilbert, ont pu gagner la médaille d'or aux Olympiques d'Atlanta. Et puis, je trouve la métaphore très puissante pour le parcours d'un élève au secondaire et la collaboration que l'école et les parents doivent avoir pour assurer sa réussite. Comme les Olympiques, le secondaire de la 9e à la 12e année, c'est 4 ans. Donc, on prépare notre élève justement pour l'obtention du DSO, qui est un peu sa médaille d'or en bout de ligne. Et puis, les échanges du témoin se font essentiellement dans la communication efficace et la collaboration entre les familles et le monde scolaire. Donc, si jamais vous avez des inquiétudes ou si vous avez des questions au sujet du parcours scolaire de votre enfant, c'est important pour que nous, les professionnels, les enseignants, les administrateurs, et vous, en tant que parent, tuteur et tutrice, on peut s'établir une bonne communication pour assurer justement la réussite de vos enfants. Je vous laisse maintenant sur. J'aimerais introduire notre nouvellement nommée présidente du conseil d'école, Madame Patricia Saint-Ballant, élue à la dernière rencontre du conseil d'école la semaine dernière, en fait. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres du conseil d'école. Et Madame Ballant voulait vous adresser la parole pour justement expliquer un peu c'est quoi le conseil d'école à la soirée coup d'œil et comment ils peuvent vous desservir en tant que parent. Donc, Madame Ballant, à vous la parole. Bonsoir à tous et bienvenue dans la famille du Collège catholique Mère-Bleue. Je me présente, Patricia Saint-Martin-Ballant, votre présidente du Conseil d'école. Vous vous demandez peut-être ce que fait le Conseil d'école? En bref, nous sommes un groupe consultatif qui est formé de parents comme moi, des membres de la communauté, des élèves, des membres du personnel enseignant et non enseignant de l'école et de la direction. Le conseil nous permet de participer et de contribuer à l'amélioration du rendement des élèves et de l'école. Depuis, le conseil d'école peut mener des projets ou suggérer des activités menant à favoriser le bien-être des élèves. Le conseil d'école peut formuler des recommandations sur toute question touchant l'école et le bien-être des élèves. Au nom du conseil d'école de CCMB, nous vous souhaitons bienvenue à votre école et bonne année scolaire. Merci beaucoup, Mme Ballant. Alors, on a plusieurs bonsoir, sujets. Bonsoir à tous et Bonsoir, bienvenue Mme à la Ballant. famille du Collège catholique Mère-Bleue. Bon, on a plusieurs sujets à discuter ce soir au niveau du fonctionnement de l'école. Je tiens à souligner que si jamais vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas de placer vos questions dans le chat de YouTube et puis vos commentaires vont être pris. Et on va prendre le temps d'y répondre, si pas par le chat, par l'entremise du chat directement, en prenant la parole pour ajouter des précisions. Je vois qu'il y a déjà des questions au sujet des casiers. Donc, ça me fait plaisir de céder la parole à notre directeur adjoint, notre nouveau directeur adjoint, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, M. Steve Mazerolle, fidèle au poste à chaque matin au débarcadère des taxis et du stationnement, pour vous expliquer un peu le fonctionnement des casiers cette année. Steve, à toi la parole. Merci, Jean-Marc. Bonsoir et merci de participer à cette soirée coup d'œil. Comme vous avez probablement constaté jusqu'à maintenant, les casiers ne sont pas accessibles. Mais avec la venue du printemps, pas du printemps, mais plutôt de l'automne et de l'hiver, nous sommes à préparer une façon d'organiser l'utilisation de ces casiers-là. Planification qui n'est pas encore complète parce que nous avons encore des choses à analyser et à voir avec les demandes du gouvernement. Mais nous prévoyons à rendre les casiers accessibles vers l'automne, vers la fin de l'automne et certainement pour le début de l'hiver. Merci, Jean-Marc. Merci beaucoup, Monsieur Mazarol. À préciser qu'on veut absolument offrir les casiers pour les élèves de 7 et 8.
simplement parce qu'ils ont les habits de neige, puis ils ont tout le tralala qui vient avec parce qu'ils sortent pour la récréation. Puis on reconnaît que c'est quand même encombrant avec l'arrivée de l'hiver. Pour les élèves du secondaire, quoique les casiers sont permis, il y a des éléments de santé publique qui font en sorte que c'est plus difficile au niveau de l'entremêlage des cohortes. On regarde à savoir si ça pourra être fait pour la saison hivernale. Au niveau de la bienveillance, c'est mon heureux plaisir de vous présenter notre autre direction adjointe, pardon, Mme Chantal Termonville, responsable des niveaux 7e, 8e et 12e année. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence ce soir. Alors, oui, aujourd'hui, je vais vous parler de la bienveillance. Nous sommes une école bienveillante et on travaille très fort pour garder ce climat dans l'école. Juste pour que vous le sachiez, en juin 2016, le Collège catholique Mère-Bleue a remporté le prix de la première ministre pour les écoles tolérantes de l'Ontario. Et c'est une fierté pour nous. Puis comment qu'on a fait ça? C'est grâce à notre merveilleuse communauté scolaire et nos périodes de bienveillance. Depuis l'ouverture de l'école, c'est ce qui caractérise le CCMB. Puis je dois préciser que depuis bientôt 2 ans, malheureusement, on a été obligé de mettre une pause à ces périodes de bienveillance en raison de la pandémie. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ces périodes qui vont devenir des moments de bienveillance sont de retour. Alors, dès la fin de ce mois, alors le mois de septembre, tous les élèves du CCMB vont vivre leur tout premier moment de bienveillance avec leurs enseignants et on est très excités. D'autant plus, surtout que le moment qu'on vit présentement, cette période pandémique, présente des défis, puis je pense que ça va faire que du bien à l'équipe école de vivre ces moments avec les élèves. Alors, ce sera une fois par mois. Puis pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un moment de bienveillance ou une période dans le passé de bienveillance, eh bien c'est un moment pendant lequel les élèves et les enseignants vont aborder des enjeux importants qui les touchent en favorisant la discussion, la réflexion. On sera à l'écoute des élèves, puis on va vivre des activités authentiques. On veut guider les élèves à faire de bons choix et vivre nos valeurs de l'école. Alors, on va aborder des sujets tels que la motivation, stratégie de réussite, santé mentale, le bien-être, l'intimidation et plusieurs autres. Puis aussi, on a aussi des conférenciers qui seront invités tout au long de l'année. Et dernier élément dont je veux vous parler, c'est que oui, c'est vrai, on est une école bienveillante, mais on est aussi à l'écoute des élèves. Alors, cette année, on va mettre en place un comité pour de la voix des élèves. C'est une façon pour que les élèves soient écoutés, mais aussi qu'ils s'expriment. Et puis déjà, 3 ans, on a aussi les rencontres parents-partenaires, puis on fait la même chose avec nos parents. On veut aussi que ça soit une occasion pour qu'ils soient entendus et qu'ils puissent s'exprimer. Alors, plus que jamais, le bien-être de notre communauté scolaire est important pour nous. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Puis oui, on est très, très fiers de notre moment de bienveillance, notre période de bienveillance anciennement. Et puis, l'initiative des parents partenaires, on a vu des invités tels que Corneille et Étienne Boulay l'an passé, un franc succès malgré le fait que c'était en virtuel et une très belle participation des parents. On a quelques surprises pour vous au niveau de nos conférenciers cette année aussi, mais on veut pas tout dévoiler ce soir. On enchaîne, Chantal, rapidement. Avec le code de vie aussi, quelques précisions au niveau du code de vie. On a déjà informé les élèves par l'entremise des rencontres par niveau. Mais je crois que c'est bon de quand même préciser pour les parents parce qu'on a fait quelques rappels chez les élèves cette semaine. Absolument. Juste avant, j'aimerais préciser que le code de vie, il a été créé en collaboration avec le conseil d'école, les enseignants, puis on consulte également les élèves, puis à chaque année, il est révisé. Alors, ce soir, je vais juste vous parler de certains éléments du code de vie, mais je vous invite à aller le lire en détail. Il est sur le site Internet de l'école, le site web de l'école. Alors, je vais parler du code vestimentaire. Comme vous voyez sur la diapo, il y a plusieurs. Donc, on a des chandails courts qui montrent la bedaine. Puis ces chandails courts-là ne sont pas permis, ni les chemises musculaires. Pour les jeunes hommes, les pantalons doivent être portés à sa taille et non sous les fesses. Puis nous ne voulons pas voir les sous-vêtements des élèves, pas de décolleté. Les jupes et pantalons courts doivent être à la mi-cuisse, même que quand l'élève est assis. Pour les jeans troués, les trous ne doivent pas être plus hauts que la mi-cuisse.
parlons de couvre-chef. Donc, en salle de classe, les couvre-chefs qui sont interdits sont les suivants. Chapeau, pas de chapeau, pas de casquette, pas de tuque, capuchon et ni de drag. Le seul couvre-chef qui est permis est le foulard de tête en raison de notre grande diversité culturelle. Pour les outils technologiques, l'utilisation du cellulaire n'est pas permise en salle de classe, à l'exception pour une activité pédagogique autorisée par l'enseignante ou l'enseignant. Puis, si jamais votre enfant décide d'apporter un outil technologique, il faut qu'il en est responsable. Alors, en cas de vol, de perte ou de bris, l'école n'est pas tenue responsable. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, Chantal. Oui, merci pour les précisions. On enchaîne avec d'autres outils technologiques. Je sais qu'il y a probablement plusieurs questions au niveau des Chromebooks, les fameux bidules technologiques qu'on distribue aux élèves au ratio d'un à un. On a commencé la distribution en 9-12 et ça se poursuit avec les 7-8, mais pour plus de précision, finalement, je vais demander à M. Mazerolle de se joindre à nous à nouveau pour vous offrir une mise à jour au niveau des Chromebooks. Merci, Germain. Comme tu l'as mentionné, les Chromebooks ont été distribués pour les élèves de 9e à 12e année qui ont rempli les deux formulaires que vous pouvez trouver dans le magasin en ligne. Très important de remplir le contrat d'engagement sur l'utilisation responsable de la technologie et le formulaire demande d'emprunt de matériel informatique. Ces deux documents-là doivent être complétés avant qu'on remette un Chromebook à l'élève. Et on vous rappelle aussi que vous et votre enfant, vous êtes entièrement responsables pour la perte, le bris du dispositif des Chromebooks. Les élèves de 7e et 8e suivront, ont commencé aujourd'hui et compléteront demain une formation sur la citoyenneté numérique. La distribution pour les 7e et 8e devrait commencer d'ici la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Donc, vos enfants qui ont rempli les deux formulaires auront tous un Chromebook probablement à la fin de la semaine prochaine. Et nous vous demandons, s'il vous plaît, de vous assurer que votre enfant charge son Chromebook quand il l'amène à la maison, car brancher 1000 Chromebooks en même temps à l'école, c'est quelque chose qui s'avère quasi impossible et on veut l'utiliser durant la journée. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous que votre enfant l'amène à la maison et le charge avant de quitter le matin. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, merci beaucoup, M. Mazerolle. Une précision que les 7-8, on a quand même mis des Chromebooks en chariot pour le temps donné, le temps qu'on distribuait les Chromebooks au 9-12. Donc, les élèves avaient quand même un accès à l'école et prochainement vont se voir apporter l'outil à la maison aussi. Quelques précisions, on utilise beaucoup un système de gestion d'apprentissage, Google Classroom. Tous les enseignants s'en servent. Une plateforme numérique qui permet de suivre les progrès de votre enfant et d'avoir accès aux différents travaux qui sont à soumettre. Je vous encourage à vous abonner pour des mises à jour, soit journalières, mais peut-être plus hebdomadaires, surtout pour les élèves du secondaire, afin de recevoir des mises à jour. Une mise en garde, par contre, que les adresses du gouvernement fédéral ne fonctionnent pas très bien pour recevoir, parce que souvent, les mises à jour vont aller directement au pourriel. Juste une mise en garde à ce niveau-là. Ne pas répondre non plus aux mises à jour de Classroom parce que ça tombe un peu dans le néant. Si vous avez des questions vis-à-vis un travail ou peut-être la note de votre enfant, vous n'avez qu'à écrire directement à l'enseignant à l'adresse aecolecatholique.ca. Les évaluations sommatives au CCMB, une pratique qu'on a établie l'an passé afin de respecter les échéances, c'est si l'élève ne remet pas l'évaluation à la date remise. Il y en a qui se font en classe, il y en a qui se font à la maison. Si la présentation doit être faite le jour prévu, par exemple, mais si les évaluations ne sont pas remises, on a un système afin de reprendre l'évaluation le lendemain où l'élève est en retrait, fait l'évaluation et ensuite peut retourner en classe de manière à ne pas exercer un trop grand retard avec ses suivis académiques finalement. Donc, une note aussi que je tiens à préciser, c'est que si votre enfant a certaines adaptations et requiert plus de temps pour ses évaluations sommatives, les enseignants prennent ça en compte et donnent du temps supplémentaire à l'intérieur même de la période, surtout au secondaire, qui se voit à avoir des cours de 150 minutes. Donc, c'est un peu plus long et ça nous permet cette flexibilité-là. Si jamais un élève est absent à une évaluation sommative, très important que l'absence doit être motivée par le parent en appelant notre agent de la société ou en écrivant à Orléans à ecolecatholique.ca. Et les reprises d'évaluation ont lieu pendant la journée scolaire dès le retour de l'élève. En fonction des consignes de SPO, on essaie de vider l'école le plus rapidement possible après les heures de classe. Au niveau de la programmation de l'IB, un petit changement cette année. On a une nouvelle coordonnatrice pour le diplôme. Mme Marc-Pierre Parisien demeure la coordonnatrice du programme PEI,
qui est notre programme inclusif de la 7e à la 10e année. Tous les élèves en font partie. Il n'y a aucun processus d'admission, c'est vraiment une philosophie d'apprentissage et il y a le projet communautaire en 10e année qu'on doit réaliser. Pour ce qui est du programme du diplôme en 11-12, j'inviterai notre nouvelle coordonnatrice cette année, Mme Suzanne Pascucci, à vous expliquer en plus grand détail les éléments du programme. Mme Pascucci? Donc, bonsoir. Je m'appelle Mme Pascucci. Je suis enseignante ici à Marbleu et aussi coordonnatrice du programme du diplôme du baccalauréat international. Donc, tous les élèves du CCMB de la 7e à la 10e année profitent de l'approche pédagogique du PEI, du BI, du baccalauréat international. C'est un programme inclusif qui est offert à tous. Donc, étant donné que c'est inclusif pour tout le monde, il n'y a aucun frais d'admission, il n'y a aucun test d'admissibilité. Le programme se termine avec le projet communautaire qui se réalise en 10e année dans le cadre du cours de choix de carrière et citoyenneté. Donc, c'est un vraiment beau projet d'envergure qui se vit par nos élèves. L'objectif premier du programme est de développer le profil de l'apprenant ainsi qu'une sensibilité internationale. Et puis, en 11e année, les élèves qui souhaitent poursuivre leurs études au BI peuvent choisir de s'inscrire au programme du diplôme qui se vit en 11e et en 12e année. Donc, ça fait le tour de deux beaux programmes enrichissants et uniques que nous avons ici à Marbleu. Merci. Merci beaucoup, Mme Pascucci. Puis pour les parents intéressés, surtout les parents de 10e année qui pensent peut-être, qui songent peut-être au diplôme l'an prochain pour leur enfant, il y aura une soirée d'information à l'automne, finalement, en soirée, pour plus d'informations au niveau de la trousse d'admission pour vos enfants au programme du diplôme. Merci beaucoup, Mme Pascucci. À la suite du programme, on a un autre programme de concentration de design, aussi à l'école, très, très, très populaire. Vous avez M. Carl Monfi, qui est le coordonnateur de la concentration, et nos enseignants, M. Marc Simard, Stéphane Denis et Claude Côté. Nous avons ajouté M. François Waffaud aussi au sein de notre équipe d'enseignants technologues. Pour les 7-8, il y a une pré-concentration, puis c'est vraiment quatre ou cinq activités qui donnent un avant-goût à la concentration design, tandis qu'en 9-12, on parle de plusieurs projets authentiques qui sont faits justement dans nos ateliers de fabrication. Très, très, très intéressant. Il y a aussi l'équipe de robotique 9e à 12e et la compétition provinciale Skills Ontario. Vous voyez des photos à l'écran, justement, d'élèves qui travaillent le tour et puis notre équipe de robotique qui ont médaillé bronze à l'échelle provinciale 3 ans, la compétition étant annulée en fonction de la pandémie. Mais on espère que cette année, on puisse y participer et à nouveau médailler à cette compétition. Au niveau de l'appui des élèves au CCMB. Rapidement, je vais céder la parole à notre responsable de dossier au niveau de l'orientation et enfance en difficulté, Mme Nadine Gervais-Lecomte. Bonsoir, Mme Gervais-Lecomte. Bonsoir. Donc, à Marbleu, nous avons une super équipe pour appuyer nos élèves. Donc, en 7-8, en EED, nous avons M. Simon Couture et Mme Annie Roberge. En 10e et 12e année, cette année, nous avons Madame Champagne qui s'occupe au niveau de nos élèves et moi-même, Nadine Gervais-Lecomte, je m'occupe des 9e et des 11e années. Pour les cours en ligne, il y a Monsieur Derek Lallier. En orientation 7-8, c'est un travail avec Monsieur Michel Blais et Madame Thermonville. En orientation 9-12, nous avons Madame Dominique Sabourin. Et nous sommes très gâtés cette année en travail social. Nous en avons deux, donc Madame Suzy-Laure Gonnat et Monsieur Alain Vixamor. Maintenant, comme appui que nous pouvons offrir à nos élèves, il y a un appui organisationnel, académie, gestion des émotions. On peut offrir un endroit tranquille pour faire les évaluations et obtenir de l'aide supplémentaire. Entre autres, nous offrons un soutien additionnel en 7-8 avec un programme de mise à niveau en français et en mathématiques. Pour votre information aussi, nos centres d'appui, on les appelle l'Aviron en 7-8 et le Phare en 9-12. Donc, si jamais vous entendez que votre enfant est venu au Phare ou à l'Aviron, essentiellement, c'est notre centre d'appui. Un message important pour les parents qui ont un enfant qui est nouvellement au CCMB, en particulier s'il vient d'un autre conseil scolaire ou d'une
d'une autre province et qu'il a un PEI. On vous demande, s'il vous plaît, de communiquer avec un enseignant ressource afin de vous assurer que nous sommes au courant du PEI de votre enfant. Une petite précision, si votre enfant vient d'une école du CECCE, il n'est pas nécessaire de faire cette communication puisque les PEI sont transférés automatiquement. Donc, nous savons que votre enfant a un PEI. Un gros merci, Madame Nadine. Et puis, sans plus tarder, on va enchaîner avec un autre service à l'élève qui est celui de l'orientation. Je vais céder la parole à Mme Dominique Sabourin, notre orientrice en 9e à la 12e année, qui va vous présenter l'équipe et quelques services que l'orientation peut vous offrir à titre de parent. Bonsoir à tous. Merci de m'accorder quelques minutes lors de cette présentation afin de me présenter parce que je correspond régulièrement avec plusieurs parents, surtout avec la dernière année que nous avons passée, il y a eu moins de contacts en personne. Donc, je trouvais ça important de prendre un moment pour me présenter et expliquer le rôle des conseillers d'orientation à l'école. Il y a évidemment le volet 7-8 qui est plutôt sous la direction de mon collègue Monsieur Blais. Et moi, je m'occupe davantage des élèves de la 9e à la 12e année. Donc, sur la diapositive, vous aurez sûrement accès à cette présentation plus tard. Donc, j'ai pensé mettre quelques liens avec des références utiles, des petits documents clés qui peuvent vous aider à avoir de l'information comme ça sous la main, comme le guide des choix de cours, une mise à jour importante au sujet du service communautaire avec tous les changements qu'on connaît en cette année de pandémie. Je vous ai offert aussi un document avec des services externes de tutorat. C'est une question qui revient souvent, ça, le tutorat, nos coordonnées à Monsieur Blais et moi-même. Donc, en bref, c'est quoi un conseiller d'orientation? Ben, ça fait plusieurs choses. La première chose, c'est vraiment de suivre au peigne fin là, l'évolution du cheminement scolaire des élèves, ne pas manquer les acquis, les exigences en termes de diplomation. Ça fait vraiment partie d'un gros volet. Il y a ensuite tout ce qui est gestion des horaires, changement de cours. On fait partie de l'équipe de la réussite. On se rencontre de façon hebdomadaire pour discuter des élèves. On les accompagne dans leurs réflexions, dans la transition entre la 6e et la 7e, ce que mon collègue Monsieur Blais fait, et moi de même avec la transition vers le post-secondaire, ce que je m'apprête à vivre avec nos 12e années au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, j'en profite pour, s'il y a des parents, des élèves de 12e année avec nous ce soir, j'en profite pour vous glisser un mot qu'une soirée vous attend. La date demeure à être confirmée, mais on va vous revenir là-dessus parce qu'on va vous rencontrer pour vous expliquer tout ce processus d'admission post-secondaire pour bien accompagner vos enfants dans cette grande aventure. Donc, merci. Merci beaucoup, Mme Sabourin. On enchaîne avec les mesures de la prévention de la COVID. Il y a quelques petites mises à jour, quelques changements. On est quand même rendu des habitués maintenant avec l'an passé. La majorité des règlements demeurent, mais je vais céder la parole à nouveau à Mme Termonville. On a un petit retard au niveau des présentations pour les regroupements de salles de classe à la suite du mot de la direction, mais on va pouvoir s'ajuster dans l'horaire parce que c'est quand même important de pouvoir revoir les mesures de prévention. Donc, Chantal, à toi la parole. Merci. Alors, donc j'ai parlé de mesures de prévention. Alors, afin de diminuer la propagation du virus, alors le port du masque à l'école est obligatoire. À l'extérieur, c'est fortement encouragé. Mais ça serait une bonne chose. Les élèves sont toujours en cohorte, alors on respecte les niveaux. Il y a des bulles en 7e et 8e année. Il y a encore des dîners échelonnés, même pour aller se faire servir à la cafétéria. Donc, vraiment, pour qu'on puisse respecter les horaires, donc les dîners doivent être échelonnés. Donc, c'est pas tous les élèves qui dînent en même temps. On a des portes distinctes par niveau et signalisation à respecter aussi. Il y a de la distanciation à respecter aussi entre les élèves dans la mesure du possible et on encourage fortement aux élèves de désinfecter leurs mains, surtout pendant les transitions et même de les laver au moins une fois par jour. Je vais enchaîner avec, OK, donc pour les symptômes COVID, alors aucun élève ne peut demeurer à l'école en manifestant un symptôme de la COVID. Ici, je vais prendre mon temps parce qu'il faut vraiment bien l'expliquer. Alors, une fois qu'un élève a démontré des symptômes de la COVID-19, il doit absolument répondre aux exigences suivantes pour revenir à l'école. Alors,
Premier point, c'est que pour les symptômes les plus courants, puis si je parle de fièvre ou toux, l'élève doit recevoir un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID et être asymptomatique pendant 24 heures avant de revenir à l'école. Pour les symptômes autres que les plus courants, ici je parle de, exemple, nez qui coule ou mal de gorge, l'élève doit être asymptomatique pendant 24 heures avant de retourner à l'école. Pour les symptômes les plus courants, sans test de dépistage. Alors, si, comme parent, vous décidez que votre enfant n'ira pas pour un test de dépistage, c'est correct, sauf que votre enfant doit être isolé pour une période de 14 jours et être asymptomatique pendant 24 heures avant de retourner à l'école. Alors, j'espère que ça explique. Et puis, si l'élève est à haut risque, il peut seulement se présenter à l'école s'il a reçu 2 doses de vaccination documentées avec SPO au moins 14 jours avant et être asymptomatique avant de revenir à l'école. Puis, une autre précision que je veux faire, c'est que lorsque vous téléphonez à l'école pour motiver l'absence de votre enfant en raison d'une maladie, veuillez s'il vous plaît donner plus de détails sur la maladie de votre enfant. Ici, ça va nous aider, au fait, ça va aider Mme Mira, qui est notre agente à la société, à déterminer les prochaines étapes pour votre enfant, surtout s'il y a des symptômes en lien avec COVID. Et dernier point, n'oubliez pas d'inviter votre enfant à faire son auto-dépistage chaque matin avant de venir à l'école. Vous pouvez vous rendre sur le site de Santé publique Ottawa et vous trouverez le test et les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Tormonville. Puis on le sait que c'est beaucoup de règlements, mais on doit tout faire notre part un peu pour justement contrer cette pandémie et pouvoir revenir, soit dit, à la normale le plus rapidement possible. Pour ce qui est des sports, il va y avoir plusieurs mises à jour dans les blogs du vendredi. Assurez-vous de consulter l'info de Mar Bleu parce que les sports vont reprendre et les mises à l'essai commencent déjà à la semaine prochaine. Et il y a plusieurs protocoles en lien avec le port du masque. Le port du masque est obligatoire pendant tous les sports, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tant que c'est un sport à moyen ou au contact. Donc, si jamais il y a une interaction ou de la proximité. Contrairement aux ligues de ville, par exemple, ou les ligues communautaires qui ont repris, eux suivent leur propre protocole et nous, on doit se rallier aux consignes de Santé publique Ottawa et aussi du conseil scolaire. Donc, les spectateurs aussi sont strictement interdits lors des matchs intérieurs ou même extérieurs. Mais encore, cette information va vous être communiquée par l'entremise du blog hebdomadaire du vendredi. Mais une très belle nouvelle quand même, très bonne nouvelle que les sports interscolaires vont pouvoir reprendre cette année très prochainement. Avant de passer et vous laisser avec la visite guidée, je veux simplement partager que vous avez reçu... Et voilà... Vous avez reçu l'ordre du jour de la soirée avec tous les liens vers les rencontres Meet. Veuillez noter que pour les enfants de 7e et 8e année, ce sont des liens par groupe classe. Donc, si votre enfant est en 7-1, vous devez aller dans le Meet de 7-1 et c'est les enseignants qui vont se déplacer selon l'horaire de la soirée pour vous présenter les fonctionnements des différents programmes. Ce n'est pas une rencontre par enseignant, c'est vraiment une présentation des différents programmes par matière et des types d'évaluation que votre enfant va suivre cette année. La même chose pour les élèves du secondaire, de la 9e à la 12e année, mais on doit se déplacer d'un lien Meet à l'autre sur les 2 cours de votre enfant selon le nom de l'enseignant. Donc, il pourrait être utile de consulter l'horaire. On a déjà 5 minutes de retard, donc je vous invite à aller vous brancher dans les liens et on vous laisse avec une visite guidée, une petite vidéo qui vous présente un peu le fonctionnement de l'école et le bâtiment que vos élèves, vos enfants courtoient à chaque jour. À la suite de la vidéo, ceux qui auraient des questions plus précises, vous pouvez les placer dans le chat et l'équipe administrative va se faire un plaisir de demeurer avec vous en ligne pour y répondre. Autrement, je vous souhaite une très belle soirée coup d'œil et on espère de se voir en personne très, très, très bientôt. Merci, Marbleu. L'équipe du CCMB est heureuse d'accueillir ses élèves pour la rentrée 2021. Dès son arrivée, l'élève retrouve la porte d'entrée pour son niveau. Un intervenant est à la porte afin de lui offrir du gel désinfectant et un masque. Suite à son entrée, l'élève suit la signalisation et se rend à son local immédiatement.
L'élève doit respecter la distanciation sociale et le port du masque en tout temps sur le terrain de l'école. Les élèves de la 7e et 8e année profitent d'un horaire habituel avec des aménagements de classe qui respectent la distanciation sociale. C'est donc l'enseignant qui change de locaux pour les différentes matières. Le phare et l'aviron demeurent ouverts afin de continuer d'appuyer nos élèves à besoins plus particuliers, tout en suivant les consignes de santé publique. Les élèves de la 9e et 12e année sont maintenant de retour à chaque jour et suivent un horaire en quadrimestre. Certains locaux demeurent fermés, mais nous voyons la réouverture progressive de certains locaux, comme la salle de musique, où les élèves peuvent jouer de la guitare, et la salle d'alter. Quoique les élèves n'ont pas de casier, ils peuvent garder leurs effets personnels dans leur sac à dos, puisque les déplacements dans la zone sont très limités. Chaque cage d'escalier est à sens unique afin de minimiser les croisements d'élèves et assurer un bon rythme de déplacement. L'atrium fut complètement réaménagé comme un immense rond-point. Les élèves et membres du personnel circulent à sens unique d'un côté et de l'autre des barrières physiques. Les tables de l'atrium furent utilisées pour créer un serpentin avec signalisation afin que les élèves de la 7e à la 12e année puissent bénéficier d'un repas chaud à la cafétéria. Une carte Sachise peut être prépayée afin de faciliter les transactions. Il est strictement interdit d'entrer dans l'école sans rendez-vous et tous les visiteurs doivent respecter les mesures de dépistage. Il est évident que cette année sera particulière, mais nous misons sur votre appui et votre collaboration, chers parents, afin d'offrir une expérience d'apprentissage des plus sécuritaires à votre enfant.